Goedenavond allemaal en welkom op deze wekelijkse sessie. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue sur cette session d'information hebdomadaire. Comme d'habitude, nous commençons par la situation Corona. De corona-situatie op dit moment. Dus wij hebben weer al een lichte stijging van de besmettingen vergeleken met vorige week. Maar in het algemeen zitten we nog altijd in de top 30% van de beste leerlingen in België, beste gemeente. Dus het is relatief goed nieuws, maar we moeten natuurlijk heel voorzichtig blijven. Vorige week hebben wij dus een grafiek laten zien. We stellen voor om dit één keer per maand te doen en wekelijks toch een update te geven van de situatie. Vous savez que vous allez bientôt recevoir une brochure, on en a déjà parlé. C'est une brochure où vous trouverez une traduction de toutes les informations dont vous avez besoin. Entre autres, l'invitation, donc l'invitation qui sera traduite en français et en néerlandais, également en anglais, de façon à ce qu'on puisse avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre votre invitation, qui sera le document original, qui lui sera en néerlandais. Voilà. On attend cette brochure dans une dizaine de jours, aux alentours de la fin mars. Een vraag die we regelmatig krijgen in verband met transport en hulp voor oudere mensen. Dus momenteel zijn we nog altijd actief aan het zoeken naar de beste manieren, de beste methodes om dit te regelen. Het is wel zo dat in geval van noodsituaties, in geval van acuut probleem, dat men gewoon altijd contact kan opnemen met de gemeente. We hebben nog altijd dus die website hier, zoals jullie weten. Ik heb het al vorige week laten zien, de week ervoor ook. Dus op die website vaccinskyhole.be komt dus gewoon alle mogelijke en alle nodige informatie voor het vaccinatiecentrum. Donc, ce site vaccinskyhole.be, il est de plus en plus complet. Vous allez trouver toute une série d'informations et également, vous allez aussi utilement pouvoir consulter les sites de la commune, donc krenne.be, le site laatjevaccineren.be et aussi le site que vous connaissez, je pense, la plupart d'entre vous, info@coronavirus.be, où vous trouverez alors des informations générales au niveau de l'autorité fédérale. Voilà. Avec un peu de chance, nous allons de plus en plus pouvoir profiter des beaux jours qui reviennent et faire toute une série d'activités à l'extérieur. Mais ce serait encore mieux si on pouvait limiter absolument la quantité de déchets sauvages qu'on trouve malheureusement à plusieurs endroits dans la commune. Er is een fundamenteel verschil tussen sluikstorten en zwerfvuil. Sluikstorten, dus dat zijn gewoon vuilniszakken die zomaar gedropt worden en die kunnen eigenlijk vrij gemakkelijk door Interzat opgepikt worden. Dus gewoon, het is genoeg om dus een mail te sturen naar, het komt nu eigenlijk op scherm denk ik, naar sluikstort@interzat.be en Interzat gaat het nodige doen om die zakken te komen halen. Dus het is een hele goede service. Aarzel alsjeblieft niet om beroep te doen op die service, want het maakt natuurlijk een groot verschil. Dit is voor de grote vuilniszakken. Alors, il y a aussi toute une série de déchets que l'on trouve, malheureusement, et ces déchets, parfois éparpillés, ça peut être suite à une visite à l'un ou l'autre takeaway, à l'un ou l'autre commerce. Ces déchets-là, bon, c'est à nous tous d'essayer de les limiter au maximum. Et s'il y a vraiment des endroits que vous trouvez très sales,
il ne faut pas hésiter alors à contacter le service vert de la commune qui verra alors ce qu'il est possible de faire. Donc, dans un premier temps, ne pas hésiter à faire appel au service d'Interza, sleutelstort@interza.be, en ze komen dan de vuilniszakken halen als het nodig is. Dans le même ordre d'idées, mais légèrement différent, nous avons souvent des questions concernant les lampadaires qui sont défectueux. Alors, là aussi, Fluvius peut très facilement venir régler ça, mais il faut évidemment qu'il soit au courant. Alors, sur ces lampadaires, il y a toujours une petite étiquette jaune, en général verticale, sur laquelle vous allez voir un numéro. Et ce numéro, vous pouvez l'utiliser en contactant le site, je suis désolé, c'est un peu long, mais vous trouverez très facilement en faisant une recherche Google sur Defekte Straatlampe, vous allez trouver le site et en marquant, en indiquant le code de la commune, vous arrivez automatiquement alors sur un site qui est bilingue. Donc là, on a déjà une nette amélioration. Tout n'est pas encore traduit, mais on avance de plus en plus vers quelque chose qui sera, je pense, vraiment très très convivial. Et donc, cette partie du site-là, en tout cas, elle est traduite. Et donc, vous pouvez facilement signaler une lampe qui est défectueuse. Dus, heel gemakkelijk om defecte straatlampen te melden op de website van Fluvius. Gewoon die website die hier op scherm nu komt, gewoon de code van die straatlamp invullen en dan komen de mensen van Fluvius de situatie regelen. Dus meestal binnen de 24 of 48 uur. Iets anders, wij hebben de laatste dagen gehoord dat er gewoon malafide bendes bezig zijn met phishing-e-mails met een adres van @krnems.be. Wat dat nu S is of iets anders, maar dus dat is de officiële adres van de gemeente. Dat is dus @krnems.be en niet KRNEMS of iets anders. Dus wees er alstublieft heel voorzichtig mee. Dus als bepaalde e-mails een beetje verdacht blijken, gewoon negeren en uiterst voorzichtig zijn. Dus momenteel heel wat pogingen voor phishing via die verkeerde e-mailadressen kranems.be. Dus wees daar alstublieft heel voorzichtig mee. Le point suivant, notre rapide agenda, c'est l'avenue de Wezenbeek. Alors, vous savez que, il y a eu le 3 février dernier un épouvantable accident, une jeune femme de 22 ans qui est décédée suite à un accident avec un bus. Évidemment, cet accident nous a traumatisés et il y a eu plusieurs évaluations déjà de voir dans quelle mesure on pouvait améliorer la sécurité de ce carrefour. Alors, pas de conclusion hâtive, il n'y a pas pour l'instant de rapport définitif de l'enquête. Donc, nous sommes extrêmement prudents. Mais il y a deux choses que nous avons faites. Nous avons demandé au gestionnaire de l'avenue de Wezenbeek la possibilité de revenir à l'ancienne situation de synchronisation des feux pour piétons avec les feux pour les voitures. Donc, c'est quelque chose qui est à l'étude pour l'instant. Nous espérons avoir plus de décisions, je dirais, définitives, très probablement dans le courant des prochaines semaines. Un autre point est le schilder, donc la wegmarkering pour le fietspad. Donc, vous avez probablement tous, ou les gens qui sont là, qui sont dans la région, vous avez probablement vu. C'est en fait aussi sur différentes plateformes sociales publié.
Dus er is een wegmarkering voor het fietspad, maar jammer genoeg komt het eigenlijk in conflict met de voetpaden. En het is uiteraard niet de bedoeling dat wij door het fietspad te markeren, dat wij dus gewoon de andere transportmodi in gevaar zouden brengen. Dus het is ook absoluut niet onze bedoeling om voorrang te geven aan de fietsers, bijvoorbeeld, ten koste van de voetgangers of de andere zwakke weggebruikers. Dat kan dus niet de bedoeling zijn. Alle transportmodi zijn equivalent wat potentieel gevaar betreft. En hier moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Dans cette, à ce carrefour, donc, comme vous le savez, vous avez vu ça probablement sur les réseaux sociaux, donc il y a ce conflit possible entre du côté du côté sud, entre le marquage qui a été fait pour la piste cyclable et le trottoir. Alors évidemment, ce n'est pas du tout l'intention de favoriser la piste cyclable par rapport à des usagers faibles ou des piétons ou des voitures avec des voitures pour enfants. Donc, bien évidemment, nous avons signalé cela également et on espère avoir une solution très très rapidement. En attendant, évidemment, la plus grande prudence est de mise. Nous allons aussi de plus en plus tenir compte de commentaires qui pourraient être faits. Alors, parfois, c'est difficile quand ils sont spontanément postés sur Facebook. On essaie évidemment de les suivre. Mais le plus simple, c'est aussi d'envoyer, si vous avez une situation dangereuse ou si vous pensez qu'il y a une situation dangereuse, vous n'hésitez pas à envoyer un mail à la commune. C'est très facile. info@kranem.be. Donc info@kranem.be. Geval van gevaarlijke situatie, niet aarzelen om een e-mail te sturen naar de gemeente. Dus dit was voor de Wezenbeeklaan, dus het kruispunt met de Koningastrietlaan. Zoals jullie weten, wij doen wat we kunnen om de veiligheid van het kruispunt zo veel mogelijk te garanderen, onder controle te krijgen. Maar intussen tijd moeten wij dus gewoon allemaal uiterst voorzichtig blijven. Wij komen stilletjes aan de vragen die gesteld zijn. Ik ga misschien beginnen met een vraag die wij gekregen hebben. Jullie weten allemaal dat Proximus binnenkort een vezelnetwerk in de gemeente gaat installeren. En dat is ook de reden waarvoor wij dus de renovatie van de voetpaden een paar maanden hebben uitgesteld. Om te vermijden dat wij bepaalde voetpaden zouden openleggen die een paar maanden ervoor, bij manier van spreken, dus gemaakt zijn door Proximus in het kader van die operatie om vezelnetwerken te installeren. Momenteel zijn er bepaalde bezoeken van Proximus aan appartementsgebouwen in de gemeente. Dus appartementsgebouwen, niet particulier, maar gewoon appartementsgebouwen. En het is de bedoeling dat ze dan komen kijken naar de beste manier om de boxen die nodig zullen zijn voor een vezelnetwerk, om de beste manier om die boxen te installeren. Si vous avez l'impression que d'une façon ou d'une autre, cela pourrait ne pas être du vrai personnel de Proximus qui vient faire ces investigations, ne pas hésiter à leur demander leur lettre de mission, un badge de Proximus qu'ils doivent toujours avoir avec eux, ou alors, en cas de doute sérieux, il ne faut pas hésiter à appeler le 112. C'est pour ça que ce numéro existe. Donc, en cas de doute, ne pas hésiter le 112
peut être appelé très facilement. Voilà, cette opération de Proximus, comme vous le savez, devrait démarrer dans le courant des prochains mois et permettra d'avoir un réseau fibre optique dans toute la commune, ce qui évidemment est essentiel pour une bonne communication Internet et autres. Et comme vous le savez aussi, ce réseau de fibre optique n'a rien à voir avec le réseau 5G. Donc, le réseau 5G, c'est de la communication sans fil. C'est une autre thématique dont nous avons déjà parlé et que nous aborderons probablement dans le courant des prochaines semaines. Mais donc, ce réseau de fibre optique que Proximus va installer n'a rien à voir avec la 5G. Voilà. Je pense que c'était important de le mentionner et d'insister sur ce point. Alors, je vais prendre quelques autres questions. Oui, c'est une oui, excellente question. Merci de l'avoir posée. Qu'en est-il des listes d'attente pour les vaccins? Donc, on en a parlé déjà, mais je vais certainement insister sur ce point parce que c'est important. L'idée est la suivante. Il y a des vaccins qui sont malheureusement perdus pour différentes raisons, parce que la logistique de ces vaccins n'est pas évidente, parce qu'il peut y avoir de la casse pendant le transport, il peut y avoir une erreur dans la manipulation de préparation, mais il peut y avoir aussi le fait de gens qui ne se présentent pas au rendez-vous. C'est ce qu'on appelle les no-shows. D'accord? Alors, dans ce cas-là, c'est évidemment embêtant parce que bon, ce sont des vaccins qui sont préparés et puis s'il n'y a personne qui les prend, c'est pas du tout une bonne chose parce que ce sont des vaccins qui sont précieux évidemment et c'est dommage de les jeter dès le moment où on ne peut pas les utiliser pour des personnes qui voudraient se faire vacciner. Alors l'idée est grande de dire faisons une espèce d'opération un petit peu comme des soldes et permettons alors à des gens qui veulent se faire vacciner de venir au centre de vaccination à partir d'une certaine heure pour prendre ces vaccins. Cette idée a été débattue, mais n'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'on risque à ce moment-là d'avoir une affluence au niveau des centres de vaccination et on risque d'avoir d'autres soucis au niveau de la préparation et de la logistique, ce qui est pas du tout l'intention, évidemment. Alors, pour constituer des listes de gens qui pourraient venir, entre guillemets, en réserve par rapport à des vaccins qui seraient encore disponibles, en principe, ce ne seront pas les communes et certainement pas le bourgmestre qui vont s'occuper de ces listes, mais normalement, ces listes seront établies sous la responsabilité du corps médical, ce qui est beaucoup plus logique, puisque les médecins connaissent leurs patients, connaissent les priorités, connaissent les contre-indications éventuelles, connaissent les détails nécessaires pour établir ce genre de liste. Donc, nous n'avons pas encore la confirmation définitive. Bon, pour l'instant, l'opération de vaccination est encore en train de démarrer, mais il est très probable que dans le courant des prochaines semaines, alors, on ait plus de détails à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je n'ai pas de confirmation. Dans les différentes options de transport pour les personnes qui doivent se rendre au centre de vaccination, il y a aussi les transports en commun, dont les trains. Alors, ça doit être confirmé. Je vois une question, et merci à celui qui l'a posée, que les trains seraient gratuits dans le cadre de la vaccination. Très franchement, je ne le sais pas, mais on va le vérifier. Bon, les gens habitant Kranem, ce n'est peut-être pas la façon la plus facile de se rendre au centre des Aventem, mais c'est effectivement une bonne question et on va essayer de trouver une réponse rapidement. Une autre question, alors d'un tout autre ordre pour les vols dans les maisons.
Il n'y a pas d'augmentation significative de vol au niveau de la commune. Il y a, comme vous le savez probablement tous, une augmentation malheureusement des violences familiales. Et ça c'est partout, c'est pas seulement à Crenem. Et c'est dû effectivement au fait que le confinement, bon ben, après un certain nombre de semaines et de mois, c'est difficile à, ça devient difficile à supporter. Et il peut y avoir alors à ce moment-là des phénomènes on va dire, de violence conjugale ou de violence familiale qui entrent en ligne de compte et qui doivent évidemment être le plus possible limitées. Avec les beaux jours qui reviennent et on peut l'espérer aussi les activités qui reprendront, peut-être pas de vie tout à fait normale, on va dire, avant plusieurs mois, mais au moins une situation moins pénible que celle que nous connaissons à l'heure actuelle, eh bien, ce genre de situation devrait évidemment se stabiliser et c'est ce que nous espérons tous. Voilà, vous le savez aussi, on en a parlé, il y a un vaste programme d'études de caméras qui sera lancé à partir du mois d'avril ou de mai. Et à ce moment-là, ces caméras seront utilisées à différentes fins, aussi bien pour le transport que la vitesse, que les déchets sauvages, et évidemment aussi les questions de vol et de sécurité. Dus dit wordt momenteel onderzocht en wij hopen dat wij dus gewoon binnen een paar maanden meer informatie zullen kunnen geven over de verschillende types van camera's die in de gemeente zullen gebruikt worden. Voilà, hartelijk dank allemaal voor jullie aandacht. Geniet van het weekend. Hopelijk wordt het iets beter weer met minder wind en meer zon. En graag tot volgende week, 18 uur, vrijdag, tenzij dat er belangrijke elementen zouden verkondigd worden via de federale overheid. Donc, merci de votre fidélité, merci de votre attention, excellent week-end et avec grand plaisir à vendredi prochain, sauf si il y a des annonces du gouvernement fédéral, auquel cas alors ce sera pour samedi à 18 h. Merci beaucoup, excellent week-end et à très bientôt. Prenez soin de vous, blijf alstublieft voorzichtig. Bye.